avec mon seul et like. Sois prête à minuit, baby. Trop parler comme une Renoir, qu'est-ce qui se passe? Je viens complètement d'arriver devant le commissariat parce que je vais complètement porter plainte concernant la vidéo qui circule sur le web. Les singes là! Chercher des diversions. Non mais, singes en vrai, mais... Wouh, les idiots! Toutes les insultes genre singe, macaque, babouin, tout ça, un noir c'est raciste! Fico bip bip, ouais, ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la serre. Équipe, c'est parti pour la première vidéo actu du mardi. On va parler de Kindasama, de Fares et puis de l'histoire qu'il y a eu hier. Je t'explique, il y a Kindasama hier qui était en live avec une stripteaseuse. Et en fait, la stripteaseuse, au bout d'un moment, elle a insulté Kindasama. On va dire que les insultes qu'elle a envoyées à Kindasama, ils sont pour la plupart racistes. Kindasama, il a réagi sur Snapchat hier. Et je l'ai gardé justement pour vous faire une vidéo aujourd'hui. Je te laisse avec le petit passage pour comprendre, on voit ça juste après. Faut parler comme une Renoir, qu'est-ce qui se passe? C'est le Black Lives Matter qui t'a donné envie? Oui, Black Lives Matter, mais tu prends pour qui toi? Est-ce que c'est ta gueule de singe là? Parle pas avec moi. Oh, t'es raciste. Tu te fais insulter de tête de singe et tu réagis même pas, donc tu vas rien dire. Ouh, les idiots! Je vais réagir, attendez, bref. Donc, hier, vers 4-5 heures du matin, pour ceux qui étaient là, j'ai fait un live avec cette traînée et il s'est avéré qu'elle m'a traité de tête de singe. Ça veut dire que c'était une salope, ok? À partir du moment où tu te fais connaître en twerkant dans les lives de Nolan Lucie, c'est que t'es une chaudasse, ok? C'est chaudasse directement. D'ailleurs, toutes les meufs gardent qui commentent, qui like les trucs de. Les lives de Nolan Lucie, vous êtes des chaudasses. Non, mais nous, les mecs, on se met bien, main dans le slip, on a le droit. Mais vous, les meufs, c'est chaudasse. Non, mais c'est pas grave. C'est pas une mauvaise chose. Chercher des diversions. Non mais singe en vrai, mais... Wouh, les idiots. Toutes les insultes genre singe, macaque, babouin, tout ça, un noir c'est raciste. C'est raciste enculé, on s'en bat les couilles, on joue plus, on rigole plus. J'entends vos excuses genre non mais, je suis pas raciste parce que j'ai fait de la médecine noire. Non mais en fait j'ai un ami à moi qui... Wouh. Raciste, ce que t'as dit c'est raciste. On bat les steaks de tes justifications bizarres. Tu demandes pardon parce que ce que t'as dit c'est raciste. Et puis tu la fermes. Tu la fermes. Ça ferait tout le temps chercher des excuses. Ouais mais c'est pas vraiment raciste ce qu'elle dit et tout. Eh garçon, réveille-toi, d'accord? Réveille-toi, sinon je t'en remets. Alors bon, je vous avoue, ce qu'elle a dit, c'est complètement raciste. Par contre, le Kindasama, il est pas non plus à défendre. Et les rumeurs qu'il y a justement par rapport aux mineurs, mais surtout le truc qu'il a dit justement à la petite sœur de Polska, ben tu vois, il est pas non plus à défendre. Par contre, ce que Monica, la stripteaseuse, justement, elle a dit à Kindasama, ça c'est raciste. Bref, équipe, et pour la deuxième actualité, on va parler de Fares Salvatore qui a encore mis une vidéo par rapport à la vidéo qui tourne sur les réseaux. Et hier, il a dit carrément qu'il allait porter plainte et il a fait une vidéo devant le commissariat. Et en fait, c'était juste un petit troll. Je mens pas, Fares, c'est un des seuls que je suis sur Snapchat et il me fait taper fou rire toute la journée. Vu que j'étais à l'affût sur cette affaire, j'ai tout enregistré. Donc je te laisse avec le petit passage pour comprendre, on voit ça juste après. Là, je viens complètement d'arriver devant le commissariat parce que je vais complètement porter plainte concernant la vidéo qui circule sur le web et on a réussi à en gros identifier tous les profils et tout ça qui partageaient la vidéo. On a réussi à trouver les adresses IP, les noms, les adresses et tout ça. Donc là, du coup, ça va se passer en dépôt de plainte, quoi. Donc voilà, bonne continuation, les gars. De vidéo, oh, regarde le cul de Fares, oh, ça bite, t'es nique ta mère, toi, ma bite, ton cul, ta grand-mère. Ça montre juste que t'as des pensions sexuelles, pas du tout hétéro, mon petit loulou. Mais c'était pas pour porter plainte, t'en fais pas. Continue à divulguer la vidéo, prends tes péchés, je m'en frappe une couille. Tu veux voir mes boules? C'est ça que tu veux voir mes boules? C'était juste pour un kalasnikov, pétasse. Alors, ma petite loulou, tu voulais quitter papa? Hein? Porter plainte, et puis quoi encore? On n'est pas des gens qui portent plainte. C'était juste pour venir te chercher, toi, mon petit bébé. Petit cul, petit zizi. Trou de balle, poil de fion, poil de chivre. On a rien à foutre, on va jamais porter plainte. Les gens ils savent qu'on est tout niqué dans notre tête. Maintenant, on va tirer sur tout le monde. Fond à fond. On n'est pas des poucaves, on n'est pas des salopes. C'est trop bien de faire le voyou pendant 5 secondes. Après là je viens de me rappeler que j'étais tout nu sur le web. Donc je vais me calmer un peu plus loin. Depuis quand il porte plainte lui? Il dit il a des problèmes ou quoi? Voilà, je l'ai cru, il est... très fort en manipulation. Voilà, il m'a manipulé, je suis son pote. T'as cru que j'allais porter plainte ou pas? Quand je parlais, tu disais, ok, bah maintenant on a réussi à trouver les adresses IP. Tu t'es dit ou pas? Il rigole tout le temps et j'ai vu, tu rigolais pas trop. Je me suis dit, c'est bon, il est ça, il a gagné. Il va y aller, il va retrouver tout le monde et tout, ils ont peur. Du quartier qui a vu la vidéo, je vous filmerai pas sa tête, mais t'as une question à me poser, c'est ça? Ouais, j'avais une question. Oui. La question, c'est, quelle était ta réaction quand t'as vu ta grosse bite? En gros, sur les réseaux sociaux et que toute la France. En gros, toute la France. Tu vois ça, quoi. Mon zizi, mes fesses et tout. Ouais. Ça, directement, j'ai dit à Gauthier, et Gauthier en est témoin juste ici. Je lui ai dit,
les gens c'est quand même des fils de pute. Parce que quand la vidéo elle est sortie, Zahmat, il y a je sais pas combien d'années, en gros en soi, en gros ça dérangeait pas. Mais il y a quelqu'un qui l'a gardé, il s'est dit attends, il perce comme ça, je la ressors, comme ça je lui nique sa carrière. C'est ça. Alors que en soi, mon contenu d'avant, c'était des trucs, comme ça tous les jours. Après, avec le temps, j'ai grandi et je me suis rendu compte, ouais, c'est vrai, il y a une religion, il y a des péchés, on n'est pas été. Et ce contenu n'était quand pas même, forcément approprié. Quand même une bite qui vole. Ouais, mais après, moi j'étais trop dans une optique de oh, les gens, je leur ai pas mis le couteau sous la gorge pour venir me suivre. En gros, moi j'étais dans une optique, en gros, à l'époque, c'est en gros, moi je fais mes vidéos, tu m'aimes comme je suis, je t'ai pas mis le couteau sous la gorge pour me suivre. Si t'es pas content, ni ta grand-mère, en gros. Moi j'étais dans cette optique-là. À personne, quoi. Bon. Après, voilà. Avec le temps, je me suis dit, ah ouais, mais c'est pas comme ça la vie. Parce que tu vois, il y a des péchés, il y a Dieu, il y a ta famille, il y a pas que toi. Ah, la famille, surtout. Moi, j'ai plus pensé à ça, quoi. Là, la famille, quoi. Bon, après, les amis, après, on s'en contrefiche. Moi, dans ma famille, ils savent que je suis tout niqué dans la tête. Mais bon, et que là, les vidéos que je fais, c'est parce que je descends mon degré de folie et je dis parce qu'il y a des gens qui me suivent. Mais ça reste. Le temps d'adaptation de il y a des familles qui me suivent, il y a des enfants. T'as mis du temps. J'ai mis du temps. T'as mis une nuit, quand même. Une nuit complète, tu vois. J'ai mis extrêmement beaucoup de temps. Parce que faut rester dans le contexte, voilà, rigolade, quartier, bagarre. Moi, violence. Dans ma tête, je me disais, il y a que des gens de quartier qui me suivent, je me bats les couilles en gros des gens. T'as des mamans, elles ont des gros voiles depuis 20 ans, et voilà. Près de là, du moment où moi j'ai regretté ces vidéos, je sais pas regretter dans le sens, Zahma, j'ai honte ou truc comme ça. Oui, non, oui, je oui, bien sûr, gros, bien sûr. Je sais que je suis niqué dans ma tête, en gros, c'est mon délire, Zahma, je suis. Comme ça, il y a pas de caméra, en gros, je suis niqué dans ma tête. Je suis le mec drôle du groupe. On est d'accord pour dire. Exact, exact. Je suis très marrant en vacances quand il y a pas de caméra. Ouais. Équipe, équipe. Ah là là, bon, moi personnellement, comme je vous ai dit hier, je préfère largement voir Fares réagir comme ça que de voir Fares en dépression, etc. Moi-même perdu mon pote qui s'est suicidé à cause de la dépression, donc je préfère justement voir Fares réagir comme ça que de le voir en train de se morfondre, t'as capté. Voilà l'équipe, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, c'est pour soutenir le référencement et à me dire ce que t'en penses dans les commentaires. Et comme d'hab, si t'as pas envie de mettre un long commentaire, tu mets un, deux, un, trois et puis voilà, c'est juste pour référencement. Sinon, je te mens pas, il est 11h37 du matin, je dois encore vous faire le montage pour vous la publier à midi, midi et demi. C'est pour ça, je vais pas te casser les couilles trop longtemps, il y a un rappeur qui est prévu en fin de vidéo, puis je te dis à soir pour une main croustillante, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclu. Puis voilà quoi, tu vois, comme tu peux le voir, j'ai la tête dans le cul, donc il faut que je le sorte un petit peu. Bref, bonne journée à tous, les gars. Allez, je te parle d'un. Avec mon sun et des lights, sois prête à minuit baby. Je roule sous le sun, avec mon sun et des lights, je lave chill. Je roule sous le sun, avec mon sun et des lights, sois prête à minuit baby. Je roule sous le sun. Du truc. On est 4 dans la cova et mon poteau faut changer de disque. Crapuleux comme végétal, je vais prendre ta vie, je vais te montrer des pères actifs. On va enfumer toute ta ville. En général, je me fais petit, c'est pour enculer les tarifs. Gros vite ta vie, un jour ou l'autre elle va partir. Un petit coup de képri et là je ressens que c'est parti. La mumu qui te colle dans tes coups, t'as plus que 1000. Elle fait la timide sur son bouche, je mets des gifs. Calibré dans la gova, je te mets hors piste. Sois pas triste, on n'a pas les mêmes idées, pas les mêmes rivalités. Y'a pas de faux cul, y'a que des vrais. Ben moi au moins je t'ai pas lassé. C'est mon talent que je vais viser, je sais que jamais je vais renoncer. Alex, je te parle d'un truc. Du truc.